Bonjour, alors moi je suis Karine Bates, je suis professeure en anthropologie au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Je suis spécialisée en anthropologie juridique et je travaille sur notamment les questions d'accès à la justice en Inde. Mais je m'intéresse aux questions d'accès à la justice d'un point de vue anthropologique en général, et c'est pour ça que je fais partie de l'équipe de cyberjustice. Alors, c'est très intéressant pour une anthropologue pour deux raisons principales. D'abord, la cyberjustice propose un changement, une transformation dans les rituels judiciaires. Alors donc, quelles sont les conséquences, les impacts et quels sont les changements que ça va apporter, les tensions que ça peut apporter et les bienfaits que ça peut apporter au niveau de l'accès à la justice. Alors ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, bien, c'est sûr que c'est toutes les questions d'accès à la justice en général. Est-ce que les gens les justiciables vont se sentir plus près, si on veut, de la justice avec l'introduction de nouvelles technologies, avec l'introduction de nouvelles façons de faire la justice, de rendre la justice. Alors, ce sont les principaux points qui m'intéressent.